Bonjour à tous, c'est Manuel d'Investissement Locatif. Je suis super heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de témoignage. J'ai la chance d'être en présence d'un de nos clients et même plus qu'un client. C'est quelqu'un qui nous a fait confiance dès le début et c'est quelqu'un qui est devenu un réel ambassadeur, qui nous a beaucoup recommandé et qui a fait plusieurs projets avec notre société. Anas, bonjour. Bonjour Manuel. Merci d'avoir accepté cette interview. Anas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour tous les gens qui te regardent, nous expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu as décidé d'investir dans l'immobilier locatif? Oui, je m'appelle Anas, j'ai 30 ans, je vis sur Paris, je suis ingénieur de formation et je suis consultant en système d'information auprès de grands groupes comme Société Générale Ok. pour faire de la gestion de projet en informatique. Alors c'est finalement assez éloigné de l'immobilier locatif. Pourquoi avoir décidé d'investir dans l'immobilier au départ? Parce que j'avais l'intime conviction que c'était à travers l'immobilier que je pouvais me constituer déjà un patrimoine. Et de deux, une rente qui viendra compléter ma retraite de salarié dans le futur, dans 20 ans, le temps que les projets se fassent sur l'ensemble des investissements que j'ai faits avec vous. Ok, mais alors la seule chose que les gens peuvent se demander, et ce que moi je ne comprends pas par rapport à ce que tu dis, c'est que je pense qu'aujourd'hui tu gagnes bien ta vie, donc tu auras a priori une bonne retraite. Pourquoi le déclic et pourquoi avoir le besoin d'investir dans l'immobilier? Tu fais très bien de revenir sur ce point parce que c'est quelque part, c'était le déclencheur qui a fait que aujourd'hui je me suis pas mal posé de questions sur l'immobilier, j'ai fini par investir. C'est que par curiosité, un jour j'ai été sur un site qui simulait le montant de la retraite, hein, pour parler très D'accord. technique, et déjà le montant de la retraite pour avoir un, déjà le nombre de trimestres qu'il fallait pour avoir une retraite complète, petit 1, et le montant de cette dite retraite. Et quelque part, le jour où j'ai vu le résultat, déjà j'ai refait la simulation parce que j'y ai pas cru. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pourquoi c'est aussi faible? Et en fait, en lisant un petit peu le comment est calculée la retraite, c'est ce qui m'a quelque part poussé à faire des investissements pour pouvoir avoir un complément de retraite par la suite. Donc moi, je suis un peu tombé des nues parce que j'y croyais pas, mais en fait, le système c'est ça, en Et fait. encore, si le système arrive à se maintenir sur Bien sûr. la durée, parce qu'il y a Bien sûr, beaucoup ça se... d'incertitudes, alors le système de retraite ne va pas disparaître, personne ne le souhaite, mais néanmoins, on voit que le gouvernement augmente la pression fiscale pour essayer, d'un autre côté, de raboter au maximum les retraites qui coûtent très cher à l'État, et pourtant, c'est bien de l'argent que les gens ont cotisé toute leur vie. Donc, Exactement, ça, exactement. c'était ta raison première, tu t'es dit. Ça, c'était ma raison première. Et en plus de ça, il faut savoir qu'en France, on a un système de retraite par répartition. C'est-à-dire que les gens qui travaillent aujourd'hui payent les retraites des gens d'aujourd'hui. Bien sûr. Et nous, toi et moi, parce qu'on a à peu près le même âge, notre retraite dans 40, dans 5, dans 30 ans, ou dans 40 ans plutôt, elle sera payée par les actifs dans 40 ans. Donc, ça veut dire qu'en plus, c'est un modèle comme on vient de voir, qui n'est même pas très juteux, et en plus c'est incertain. Potentiellement, Ouais, bien dans sûr. 40 ans, il n'y a pas suffisamment d'actifs pour nous payer nos 3 000 euros. Donc OK. c'est ça qui a fait que j'ai voulu avoir un complément de retraite, une D'accord. retraite que je me fais moi-même, par capitalisation, c'est-à-dire que je sais ce que j'aurai, je connais le montant des investissements que j'ai fait aujourd'hui, je connais leur rentabilité, je connais le cash flow positif que ça va me générer, et donc du coup, je suis quasiment sûr, au moins de cette partie-là, de la partie de la retraite complémentaire que me générera les investissements que j'ai faits avec toi. Et donc comment aujourd'hui tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu dors mieux depuis que tu as investi dans l'immobilier? Est-ce que tu es plus serein peut-être par rapport justement au futur financier de l'après-travail? Comment tu vis ça? Exactement, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Je suis beaucoup plus serein déjà par rapport au futur. Ouais. Par rapport à mon quotidien de travail, bah du coup, je suis également plus serein parce que j'ai moins d'efforts ou moins de pression, on va dire, de d'épargne. Au vu du cash flow, on peut revenir d'ailleurs sur les appartements, j'en ai fait plusieurs. On va en Ça parler en me, détail on, on juste va en parler après. si tu veux dans le détail tout à l'heure, mais ça me permet de générer et de générer un enrichissement personnel tous les mois, donc de l'ensemble des loyers qui me sont versés, quelque part, même s'ils sont retranchés par les traites de la banque, ça fait quand même que dans mon patrimoine personnel, Bien sûr. je rentre tous les mois un certain nombre de loyers. Et donc, du coup, il y a un enrichissement personnel qui fait que moi, dans mon quotidien et avec mon épouse, ça nous relâche la pression de il faut mettre 1 000 euros de côté, ou il faut mettre un petit peu dans le livret A, etc. Bah, quelque part, le travail, il est fait par quelqu'un d'autre. Il est fait par Ah, le locataire, hein, faut bien sûr. pas. Et donc, du coup, pour revenir à ton point de départ, ça me.
Ça me détend un petit peu par rapport au futur, parce que ça fait que du coup j'ai une retraite de salarié et ma retraite complémentaire via ma rente locative, et également par rapport à mon quotidien, parce que j'ai moins le besoin de faire de l'épargne. C'est un point très intéressant que tu soulèves, et on en parle souvent avec les gens. Donc il y a plusieurs notions d'enrichissement avec l'immobilier. Il y a l'enrichissement par le cash flow positif, ça dépend des zones géographiques. Tu vas revenir en détail juste après sur tes projets. On va voir que c'est pas forcément dans ces zones-là que tu as choisi d'investir. Mais tu as aussi et surtout l'enrichissement par remboursement du capital auprès de la banque. Quand on s'endette, donc on rembourse chaque mois deux choses. Dans le crédit immobilier qu'on rembourse à la banque, on a la partie capital qui représente environ 80% de la somme et de la mensualité. Et on a une partie intérêt. Donc les intérêts, c'est entre guillemets perdu, c'est la rémunération du capital. Donc c'est en échange de son prêt, la banque est bien sûr rémunérée et donc là vous payez des intérêts qui en plus vous pouvez déduire, etc. Ça c'est encore des notions fiscales. Mais chaque mois, et c'est ce que tu viens de dire, c'est très important, chaque mois une partie du bien devient à vous grâce au remboursement de ce capital. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des investissements que tu as fait? Concrètement, est-ce que c'était des studios, des T2, des immeubles? Enfin voilà, savoir un petit peu dans le détail, parce que je pense que les gens se posent la question, qu'est-ce que tu as fait, dans quelle ville tu as choisi d'investir et pourquoi? J'ai choisi d'investir dans Paris. Pourquoi? Pour la simple raison que je vis à Paris. D'accord. Et donc du coup, j'avais envie, parce que c'était la première fois que j'investissais déjà avec vous, d'avoir mes investissements pas trop loin de là où j'habitais. Ça me permettait, un, de les voir grandir, d'être présent au début. Donc je l'étais, peut-être qu'on reviendra, j'étais très présent pour le premier investissement, c'est-à-dire que je venais souvent aux réunions de chantier, j'étais présent avec le notaire, j'avais envie de voir un petit peu le bébé grandir. J'étais beaucoup moins présent dans le dernier, d'ailleurs j'étais en vacances le jour où j'ai même acheté à distance. et donc du coup, pourquoi Paris? Parce que j'avais envie d'avoir une proximité géographique par rapport à mes investissements et parce que je connais la ville. D'accord. Et donc du coup, j'avais… C'était un côté rassurant. Exactement, parce que voilà, même si peut-être qu'on peut faire de meilleures rentabilités sur d'autres villes, moi, je me sentais plus à l'aise de faire mes investissements sur Paris. Et troisièmement, parce que je vis à Paris, donc potentiellement je vivrai à Paris, donc j'aurai peut-être des enfants, etc. dans Paris, je me dis que peut-être dans 20 ans, un appartement sur Paris, ben je pourrais en bénéficier. Si je n'ai plus besoin de son loyer, ben je pourrais, mon fils ou ma fille peut y loger. Donc du coup, c'était la troisième chose qui fait que j'ai investi sur Paris. D'accord. Aujourd'hui, chacun a une capacité d'endettement, elle peut être plus ou moins importante. Certains peuvent s'endetter de 50 000, 100 000, 200 000, certains de plusieurs millions d'euros, tant mieux pour eux, et ne pas la faire travailler. Finalement, c'est laisser cet argent aux autres, à la banque en l'occurrence, et donc bah, ne pas développer son patrimoine, ce qui est quand même vraiment dommage. Exactement, exactement. Alors aujourd'hui, je sais que tu as fait plusieurs projets avec notre société et je t'en remercie parce que la confiance accordée, elle est énorme. On parle vraiment de gros montants. Est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail sur les types de projets que tu as choisis? On a compris que tu avais choisi la ville de Paris. Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme projet? Quel type d'appartement? Dans quoi tu as investi concrètement? J'ai commencé, donc le tout premier appartement, il commence à dater, il date d'il y a quasiment 5 ans, il me semble, en 2013. J'ai commencé petit, parce que petit pourvoir, et parce que c'est quelque chose qui, on a tous toujours un peu d'appréhension pour un nouveau projet. Et donc du coup, on a commencé petit sur un tout petit studio, donc il me semble qu'il faisait 17 ou 18 mètres carrés dans le 17e arrondissement. Et le projet s'est passé, tout s'est bien passé sur le projet, à partir de la phase de recherche de Thibaut qui m'avait contacté pour me proposer un bien, Thibaut qui est chasseur d'appartements chez vous, pour me proposer un bien, jusqu'à la phase de location. Le projet s'est passé sans encombre, il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de vis caché, donc j'étais rassuré. Donc à partir du moment où il y avait un locataire qui était en place, d'ailleurs qui est toujours en place depuis 4 ans, et que les loyers étaient payés, ça aussi, c'est un autre. J'avais beaucoup peur. Je fais juste une petite digression sur les loyers. J'avais énormément peur du défaut du locataire. Ouais. Faut savoir que je n'ai pas d'assurance loyer impayé. Et que tu n'as jamais eu de défaut. Et je n'ai jamais eu de défaut sur aucun des appartements depuis 4-5 ans. Jamais un appartement. J'ai peut-être eu la pire chose qui est arrivée, c'est une semaine de retard parce qu'un locataire soit oublié, soit été en vacances. Mais voilà. Donc du coup, une fois que pour le premier appartement, le premier investissement,
tout était fini et que la locataire était en place, pardon, et qu'elle payait ses loyers depuis 5-6 mois, bah, du coup, je me suis dit, ah bah, c'est quand même affaire qui roule. Pourquoi? Et que j'ai été voir le banquier, que le banquier lui-même était content, parce qu'il voyait quelque part que les chiffres que je lui avais présentés le jour où on avait monté le dossier, bah, quelque part étaient respectés et collés à la réalité. Bah, c'était même lui qui m'a dit, bah, écoutez, Anas, vous pouvez en refaire un deuxième. Ouais. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. La hiérarchie suit. Il n'y a pas eu de couac. Et donc, du coup, c'est ça qui a fait que, du coup, j'en ai fait plusieurs et de plus en plus, des projets de plus en plus gros, jusqu'à finir sur une grosse découpe dans le 18e arrondissement, ouais, de trois appartements, donc trois T2. Super projet d'ailleurs, oui, effectivement. Et qui a d'ailleurs, pareil, été tenu, les travaux ont été tenus dans les temps, il n'y a pas eu de couac. J'ai trois locataires que je n'ai pas la chance de connaître parce que l'ensemble des biens sont en gestion chez vous, mais effectivement, qui payent leur loyer dans les délais impartis. Et il n'y a pas de... Voilà, c'était juste une... Non, mais ça, c'est hyper important. Moi, je rebondis là-dessus. Moi, souvent, les clients viennent me voir et me disent, bah, j'ai la possibilité d'investir 500 000 euros ou plus. Ils me disent, qu'est-ce que vous me conseillez, monsieur Ravier, de faire un seul projet ou d'en faire plusieurs? Et j'aime bien leur dire, commencez parfois sur quelque chose avec lequel vous êtes en confort. C'est-à-dire ne pas forcément tout mettre en une fois. La confiance, ça se gagne aussi. On a besoin de prouver parfois. Notre société a envie aussi de faire ses preuves. Et on dit aux clients, faites déjà un projet. Quand il va être en location, quand les loyers vont rentrer, et c'est ce que finalement tu nous décris très bien, les loyers vont rentrer un mois, deux mois, trois mois, et c'est vous qui allez nous recontacter. Et c'est ce qui se passe en fait à chaque fois. Parce que quand on se rend compte que le système marche et que chaque mois, bah, on reçoit sur son compte les loyers, bah, on a envie de dupliquer le modèle. On se dit, mais en fait, ça marche, quoi. Au départ, souvent, les gens nous disent, c'est presque trop beau pour être vrai, quoi. On investit avec l'argent de la banque et on délègue à la société d'investissement locatif et c'est le locataire qui rembourse. Donc, ça paraît presque trop beau. Donc parfois, moi, ce que je conseille aux clients, c'est de commencer par une première opération, voir que l'argent rentre et après de dupliquer le modèle. Et donc toi, c'est ce que tu as fait. Tu as dupliqué le modèle à plusieurs reprises. Pourquoi avoir décidé à chaque fois de repasser par notre société, puisque tu connaissais finalement la technique, entre guillemets, le fait d'acheter pas cher et de louer un appartement refait à neuf? Oui. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis salarié en CDI consultant, ouais, donc avec des horaires classiques entre 35 et 40 heures par semaine. Et donc du coup, techniquement, je n'ai pas le temps de faire ce travail-là. Parce que mine de rien, pour trouver un appartement, bah, il faut passer beaucoup de temps sur se loger, ouais, sur le bon coin. Je l'ai fait dans une ancienne vie quand j'étais locataire, donc je sais que c'est un effort. Ouais. Un effort qui, quelque part, m'a coûté une année ou une année et demie avant que je vous contacte pour le premier appartement. C'est que je me suis dit, bon, j'aimerais bien investir dans l'immobilier, je vais le faire par moi-même. Et en fait, j'ai juste perdu 18 mois, ouais, parce que tous les jours, je me réveille, je me dis, ah, entre deux réunions, je vais trouver le temps, mais il n'y a jamais le temps. Toujours un mail à faire, un client à voir, une réunion à tenir, un compte-rendu à envoyer. Et finalement, en fait, on ne trouve jamais le temps pour soi. Et le temps, c'est de l'argent. Et le temps, c'est de l'argent parce que quelque part, j'ai perdu le jour où l'ensemble de mes investissements seront remboursés. Bah, quelque part, ce jour-là, il aurait pu être… quelque part, j'ai perdu un an et demi. Il aurait pu être 18 mois plus tôt. Et donc, du coup, techniquement, c'est un vrai travail. C'est un vrai boulot à temps plein que moi, je ne pouvais pas faire parce que sinon, je devais quitter ou prendre un congé sabbatique, ce que je ne pouvais pas concevoir parce que ça me gèlerait mon salaire. Ça aurait coûté plus cher. Exactement. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai fait appel à vous parce que c'était la seule manière de pouvoir investir et de tenir le planning que je m'étais fixé. Donc, un certain nombre d'appartements dans un délai imparti, le faire tout seul me paraissait pas possible. Et toi, d'ailleurs, je voulais juste revenir là-dessus, c'est que je sais que tu as une vision qui est hyper intéressante. Tu es la première personne qui m'a parlé de ça chez nos clients et donc, du coup, je pense que ça peut faire réagir les gens qui nous regardent. Tu me disais que toi, tu ne réfléchissais pas en nombre d'appartements, mais en complément de retraite justement de l'argent qui te resterait même après impôt. Tu avais fait tes calculs plus tard. Est-ce que tu peux nous parler de cet objectif? Oui. En fait, effectivement, tu fais bien de revenir sur ce point parce que moi, quelque part, le nombre d'appartements, c'est un chiffre qui m'importe peu. Mmh. Moi, ce qui m'importe, c'est le montant global de l'ensemble des loyers que je percevrai une fois que l'ensemble des emprunts et l'ensemble des projets sont menés à bout. On peut le dire, hein, c'est le montant global, il me semble que c'est 87 000 euros de revenus annuels de loyer. C'est énormément d'argent. Ramené à mon salaire annuel, ce n'est pas possible sur un salaire de cadre d'épargner 87 000 euros par an. C'est techniquement pas possible, c'est-à-dire que je ne mange pas.
et que je ne voyage pas, et que je n'ai pas de charge, et que je ne me loge pas. Donc ça veut dire que c'est quand même un moyen en or de pouvoir s'enrichir et enrichir son patrimoine quelque part, et avoir et faire de l'épargne. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, la question est un petit peu biaisée parce que de par le fait que tu as fait plusieurs projets avec nous et que tu nous as recommandé des gens, je connais déjà un peu la réponse, mais est-ce que tu recommanderais à des gens qui nous regardent, qui ne nous connaissent peut-être pas, de passer par nos services et pourquoi ? Ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est pouvoir investir et dans un délai imparti. C'est-à-dire que moi, je pense dans l'investissement locatif, immobilier, il y a quelque chose qui joue contre toi, c'est le temps. C'est plus tu fais ça tôt, et d'ailleurs moi j'ai commencé à 25 ans, j'aurais préféré commencer limite à 23 ans, donc c'est les fameux 18 mois que j'ai perdu, pour c'est lancer… C'est déjà très jeune. Après, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je veux te dire, c'est que commencer à 60 ans, c'est un peu plus compliqué, ne serait-ce que pas avec le banquier, pour accorder un prêt, c'est un peu plus compliqué. Et donc du coup, en fait, s'il y a une métrique qu'on ne maîtrise pas, c'est le temps. Et pour pallier à ce problème-là de temps, et de délai et de planning, j'étais quelque part ravi et obligé de travailler avec vous parce que c'était le seul moyen qui me permettait de faire l'intégralité de mes investissements et d'accélérer et de tenir les objectifs que je m'étais fixé personnellement. Alors merci beaucoup pour déjà toutes les explications que tu as pu donner aux gens qui nous regardent. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si tu pouvais nous parler d'une petite anecdote parmi les différents investissements que tu as pu réaliser avec nous. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, à nous partager ? Y a une petite chose qui m'a fait un peu sourire, c'est le banquier. On a fait pas mal de projets ensemble pour des prêts immobiliers, et lors du dernier ou de l'avant-dernier, je pense qu'il était un peu gêné, mais il a essayé de me faire comprendre qu'il était également intéressé de faire un investissement immobilier, tellement les projets qu'on a menés ensemble ont été tenaient un petit peu les objectifs qu'on leur avait mis, à savoir que tout simplement les loyers rentraient, les loyers espérés ou escomptés rentraient en temps et en heure. Et donc du coup, au dernier rendez-vous où je le vois pour le dernier appartement, juste avant de partir, il me dit « Est-ce que vous pouvez me laisser la carte de visite ? Moi aussi, je serais intéressé pour faire un petit investissement locatif à titre personnel. » Donc du coup, ça m'a fait un petit peu sourire, où le banquier quelque part enlève sa casquette de banquier et veut devenir investisseur. Et donc du coup… On a eu le cas d'ailleurs à plusieurs reprises avec des notaires aussi. Je lui ai donné vos coordonnées. On a des clients qui nous regardent peut-être d'ailleurs sur les vidéos, si c'est le cas, je les salue, qui sont notaires en fait et qui ont vu certains de nos clients faire des projets qui passaient par eux, et à chaque fois ils disaient « mais attendez ». Et donc on a finalement des clients notaires qui ont découvert le bon plan, si on peut dire, et qui sont mis à nous contacter en disant « je suis notaire de monsieur Intel qui a fait un projet avec vous et je voudrais en faire ». Donc c'est assez marrant que ton banquier effectivement te pose cette question-là. Anas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir éclairé les gens qui nous suivent sur tes projets personnels, les raisons qui t'ont poussé à l'action et à investir dans l'immobilier locatif. Je vous dis à très bientôt à tout le monde sur la chaîne Investissement Locatif. Vous retrouverez d'autres interviews d'investisseurs, des conseils concrets de Mickaël ou de moi-même. À très bientôt. Bye.